Et là, ce matin, on se retrouve au Kennedy Space Center. Oui. On va aller voir les fusées, voir tout ça. Tu savais qu'il y avait des tortues qui étaient aussi grosses que ça, toi? T'as vu la taille du truc? Ça fait quoi? Ça fait 2m20, 2m50? Grand bâtiment blanc là-bas. Oui. C'est là qu'il y a les fusées. Bonjour. Hello. Bon, on a bien dormi. Oui. Un peu frais, mais ça allait. Ouais. Il faisait 7 ce matin dans le camping-car, mais 20 minutes de chauffage, il faisait 20, donc nickel. Et là, ce matin, on se retrouve au Kennedy Space Center. Oui. On va aller voir les fusées, voir tout ça, un petit peu ce qu'il en est. Pour info, pour ceux qui veulent savoir, c'est 80$ par adulte et je crois 50 ou 60 pour les enfants. Donc c'est pas donné, et c'est le tour principal. Après, il y a des tours un peu plus guidés, etc., qui sont un peu plus chers. Des rencontres avec des astronautes, enfin voilà, il y a plein d'options différentes, mais on va dire, le premier prix, c'est quand même 80$, mais normalement, on va y passer presque la journée, parce que c'est immense. Il y a plein de trucs à voir, je crois qu'il y a même quelques attractions, mais pas que du musée. On va vous faire découvrir tout ça. Oui. Allez, on y va. This is launch control, T-minus 3 minutes and counting. We've completed our communications checks with the Apollo 8 astronauts in the cabin, and the communications are go. During this period, once we do get the firing command, the various tanks within the three stages of the Saturn V launch vehicle begin to pressurize. We have firing command. The firing command is in. We are now on the automatic
sequence, T-minus 2 minutes, 20 seconds, and counting. Our status board indicates that all aspects are ready. Instrument unit is ready, spacecraft ready, final check of the emergency detection system, that ready light also on. First stage preparations are completed. All systems are A-OK. Okay, keep going. We're on. Ready to go to Cronkite. Stand by, Walter. Okay, you're on. All systems go. 1 minute, 45 seconds and counting. The first stage liquid oxygen tank has been pressurized and the pressure is still building up. Coming up on 90 seconds, mark T-minus 90 seconds and coming. The Apollo 8 crew standing by, spacecraft commander Frank Borman, Jim Lovell, Bill Anders. We now have a report that the liquid hydrogen tank on the third stage is pressurized. 1 minute, 15 seconds. All third stage propellants pressurized at this time as we come up on a 60 second mark on a flight to the moon. T-minus 60 seconds and counting, the vehicle now is completely pressurized. We're coming up on a power transfer shortly. We have the power transfer, we're now on the flight batteries within the launch vehicle. Final reports coming from Frank Borman at this time. Final look at the switch list aboard the spacecraft. 20 seconds, all aspects, we are still go at this time. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. The ignition sequence start. The engines are on. 4, 3. Thank you.
touche un petit bout de lune. On monte dans l'espace. Alors, on est au Apollo Saturn 5 Center, donc qui est, faut prendre le bus depuis l'entrée principale, c'est inclus dans le ticket, hein, y a pas de souci. Et donc ça permet de se positionner dans la salle de commande du lancement de Saturn 5. Donc Saturn 5, c'est la fusée qui a envoyé les différentes missions Apollo sur la Lune. Donc il y a aussi un LEM, donc le module d'alunissage, des véhicules, des combinaisons, et c'est surtout qu'on se rend compte de la taille du truc, c'est juste impressionnant. Ça fait 38 étages, donc c'est juste énorme, et c'est principalement du carburant au final. Il reste vraiment plus grand chose à la fin. Et on a même pu toucher un petit bout de lune. Donc là, on va retourner à la zone principale, donc reprendre le bus, retourner à la zone principale et voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Entre autres, normalement, on doit pouvoir voir une des navettes spatiales, donc une des Space Shuttle qui doit être Atlantis, je crois, si je dis pas de bêtises. On continue ? You want to reduce the CO2 buildup? We need a better safety plan. Et moi un petit genre burger pulled pork. Voilà. Tout ça pour 38$ avec les taxes. Bon appétit. Bon appétit. Thank you.
the chemicals that take us higher. The night's young, yet it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Et voilà. Et on ressort. Il est 15h, donc on y sera resté de 9 à 15, 6 heures quand même, mine de rien. On a juste pris le temps de manger un petit truc comme vous avez vu. C'était intéressant, hein. Ouais. C'est impressionnant, hein. Je pensais pas que c'était aussi gros les fusées, les navettes, tout ça. Bah, j'espère que ça vous a plu, à vous aussi. Là, on va reprendre le camping-car, retourner sur Orlando. On dort une dernière nuit à l'hôtel où on était là toute la première semaine. Et puis, on se retrouve peut-être ce soir ou sinon dans une prochaine journée ou peut-être une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir. C'était là un petit instant pub. À bientôt. À bientôt.